C'est en train de faire, là, t'es en train de faire les grands, voilà, ça tu vas le faire avec ta cuisine. Là, tu vois, tu passes ça, ça remonte. Là, là, beaucoup, beaucoup aussi. On passe devant, on arrive là, hop, on plie et on renvoie. Voilà. Et puis après, bon, on enchaîne. Tu vois, comme ça. Faut bien voir, ok. Ok. Tac. On prend la balle. Je vous demande, c'est toujours la même chose, hein. Beaucoup d'amplitude. Relâchement, amplitude. Pour l'instant, on se met jambes écartées, là. On prend la balle au-dessus, on descend. Là, comme, c'est pour ça que j'appelle ça un peu l'éléphant, comme la trompe d'éléphant. Là, qui descend tranquille, là, tout va bien relâché. Donc on fait ça. Attention à toi, Jacques. Donc on fait ça, on part là-haut, on descend, on remonte, et on passe le bassin. On met le bras loin derrière, on passe au bassin, et là, on lance. Ok? Et quand on lance, ok? Donc voilà, et on les enchaîne. Hop! Poids du corps sur la jambe arrière, poids du corps sur la jambe avant. Voilà. Et pour Rose, spécialement, pas de tête là-haut. Là, on vient regarder devant. Ok? Et l'autre, c'est bah, le dernier. Là, ici. Donc on fait exactement la même chose. Je vous répète ça, c'est que écourtez pas. Partez dans l'idée qu'on fait le même mouvement. Donc on fait le même mouvement. Ici, et quand j'arrive ici, j'ai fini mon mouvement, et ben là, je recule sur ma jambe. Ok, le bras il part loin derrière, et au retour, je lance. D'accord? On rajoute le mouvement qu'on a fait tout à l'heure avec la massue. Hop, poids du corps sur la jambe arrière, poids du corps sur la jambe avant. Voilà. Et pour Rose, spécialement, pas de tête là-haut. On était ici, ça. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? On est sur la jambe arrière, on pousse pour revenir sur la jambe avant et le bras il passe. Et bien on fait la même chose. On est avec la balle lestée. Alors attention, la balle elle est légère, elle est plus légère que la massue. Donc vous allez avoir tendance à vouloir lancer avec le bras. Concentrez-vous là-dessus, relâchez-vous bien pour que ça soit ce travail de jambe. Donc là on est là, on arrondit. Une fois qu'on est arrivé là, on recule le pied et on fait son passage. Ok? Ce qui est important, c'est tourne un peu là, tourne un peu ton épaule. Tourne comme ça, tourne ton bras derrière. Et par contre, vous restez dans l'esprit de faire les choses complètes. Hein, on ne raccourcit rien, on fait exactement toujours la même chose. Donc là, l'arrondi, on arrive, on est ici, on étire, et là, au lieu de relancer tout de suite, et ben, on fait gauche, droite, gauche, et on lance. Et on finit sur les appuis. D'accord? C'est pas la peine de vouloir traverser tout le terrain en mettant une grosse praline et puis de finir. Non, là c'est un travail technique où on finit vraiment, voilà. On a passé un peu le talon, ça on n'en a pas trop encore parlé, mais au moins on finit sur les appuis.